Et boum! Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Final Fantasy XV. Comment ça va les petits amis? Voilà, nous voilà repartis dans l'univers de Final Fantasy. Et voilà, j'étais en train de faire la quête Une Clarté de Reine, du coup que j'avais abandonné parce que j'avais fait un live trop long, il fallait que je m'arrête. C'était interminable. Donc à un moment donné, voilà, les bonnes choses ont une fin, mais on peut les reprendre. Et donc nous voilà repartis, alors c'est parti, hein, voilà, ne perdons pas un instant. Je vérifie que tout va bien, j'ai l'impression que tout va bien. On m'entend bien, donc tout est bien, ça commence bien. Allez, c'est parti. Donc j'étais en train de faire ça, donc il faut que je descende. Ah, il faut que je réaffronte tous ces mecs là. Alors on va les réaffronter. Voilà, on va se mettre ça, on va se mettre un petit sort. Je pense, tac, Noctis, tac. Et on va prendre... ça, c'est bien. Et à l'arrière, je vais mettre... je vais mettre... Lou, Pronto, non, ils ont tout ce qu'il faut en fait. Salut Scorpad! Comment ça va? Alors... attends, déjà je vais me mettre comme ça. Voilà, on va les réaffronter, voilà. Et puis, tac! On va faire ça, on va faire direct en plein milieu. Voilà. Et on les a tous one-shot. Voilà, ça on fonce, bim, on l'explose. Ok. Ça va pas mal, bah écoute moi ça va très bien aussi hein. Ouais, bientôt la fin d'année. Plus que 2 jours à tirer. Bim. Tu es vivant? Non, c'est bon. Le soleil est parti se coucher. Ouais, ça c'est fait. On y voit plus grand chose. Ça c'est fait. Chercher un endroit où dormir. On va aller à l'endroit indiqué. C'est quoi ça? Animaux dangereux dans la région. Donc là, je pense qu'il faut que je descende. Hein. Ah, il faut bien descendre. Donc, bah, on va descendre. J'ai boosté ma luminosité aussi. C'est un peu sombre. Voilà. Donc là, c'est trop clair. Là. Là, c'est bien. Voilà. Allez, je redescends. Alors, c'est par là. Ouais, il faut descendre, 53 mètres. Ça, c'est intéressant. C'est une entrée des plus discrètes. Vous avez l'intention de descendre? Absolument. Donc, je pense que c'est dans le donjon, ouais. Faites attention à pas glisser. Je pense qu'il faut descendre, effectivement. Parce que j'aime les endroits étroits et tout sombres. Au fait, je vous ai déjà dit que j'étais claustrophobe. C'est vrai qu'on a des choses très importantes à faire en bas, hein? Tais-toi un peu, sinon tu vas tomber et te mordre la langue. Ah ouais. Là. La cerise sur le gâteau. Là, là, là. Donc nous y revoilà. Ça y est, on est arrivé. Les égouts. Il y avait un objet ici la dernière fois. J'ai pas l'impression. Enfin, tant que je dois pas y nager. Attendez. Oh. Ça fait quand même beaucoup d'eau là. Je crois que c'est pas la peine de monter. Bien sûr, là où il y a plein d'eau, il y a des trésors, hein. La première fois que j'entends ça. Hé, regardez, je suis sûr qu'il y a un moyen de. Ok, donc les voilà revenus. Alors c'est quoi eux déjà? Que je me souvienne, que je me remémore. C'est la grosse arme.
Attends, j'ai fait l'esquive. Hein. Ça va pas, non ? Je suis désolé. Putain, j'ai fait l'esquive là. Ah, là, il est mort. 14 mètres. 12 mètres. Faut que je passe en dessous là. Espérons que les phares seront pas cassés. Trouver les phares spéciaux. Espérons déjà qu'on les trouvera. Endroit étroit et tout sombre comme un chat. Ah, donc c'est bien par là. Je pense. Il faut que je trouve dans cette zone les phares spéciaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi là? Ils sont trop cons. Allez, poussez-vous. Ok. Donc on descend déjà. Ah oui, ça. Vas-y, on va sortir l'arsenal fantôme, bas les couilles. Voilà, l'arsenal fantôme, à chaque fois je fais un max de dégâts. Ah, je suis mort. Tac. Oh, attends, lui c'est quoi déjà? Je crois que c'est le javelot lui. Si je me souviens bien. C'est bien le javelot. Donc tac. Tiens, attends. On va faire un petit peu de magie. Un peu de fantaisie. Ah merde, j'ai électrifié la flotte. Alors si je descends. Regardez, il y a une autre échelle là-haut. Malheureusement, elle est hors d'atteinte. Je serais curieux de ça. Ça recommence. Ouais, je m'étais arrêté là, je crois. Super. Je check pas le bon endroit. Ouais, eux, on les nique. Je vais mettre un petit élixir qui va bien. Et non, j'ai toujours pas fini Fallout 4. C'est pour ça, j'aimerais finir les jeux. Ah merde. Putain, je suis mort. Ah mais pourquoi je peux pas faire mon attaque? Ah oui, d'accord, PM épuisé, tout va bien. Déjà, j'aimerais finir celui-là, en fait. J'aimerais commencer en finissant celui-là et après je finirai les autres. Parce qu'il y a Fallout 2 que j'ai pas fini, il y a Fallout 4 que j'ai pas fini. Il y en a plein que j'ai pas fini. Ça y est, t'es mort? Voilà. Un combat un peu bizarre, mais bon, c'est fait. L'important c'est qu'on soit vivant. J'ai l'impression que c'est le seul moyen de... Wouah, la putain de chute. Wouah! Comment ça s'appelle? Nagarata. Avec des serpents. Dégoûtant. Une sorte de méduse. D'accord, ça n'aime pas la foudre. Bah écoute, on va faire de la foudre. Est-ce qu'il m'en reste? Foudre. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Ah merde, je me suis électrocuté, je suis trop con. Faut que je fasse gaffe. Et je suis mort. Ah non, je suis transformé en petit crapaud, je crois. Guéri crapaud. Élixir. Petit marquage. Travaille pas en ce moment? Si, je travaille. Si, je travaille. Le matin, je fais des lives et l'après-midi, je travaille. L'après-midi et le soir. J'ai des journées très bien remplies.
Et surtout que là, les 3 prochains mois, même les 4 prochains mois là, beaucoup de boulot parce qu'on démarre une nouvelle série. Ah, il faudrait que je refasse la foudre. Voilà, faut que je me barre. Tac, je suis mort. Allez, on va faire un méga phoenix. C'est mon dernier. Ah merde. Attends, mais il est mort. Ils ont ça. J'ai même pas utilisé mon méga phoenix. Phoenix, ils se sont ressuscités. Ah. Je me casse. Là. Bon, ça y est, je suis toujours un petit crapaud. Non, c'est pas méga élixir. C'est méga phoenix. Attends, je peux faire l'invocation, merde! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il s'est régène sa vie? Ah putain, il s'est régène sa vie, l'enfoiré! Putain, l'enfoiré, il s'est régène sa vie, quoi! Quoi? Mais il s'est passé quoi, là? J'y comprends rien. T'es dans la lune ou quoi? Quoi? C'est assez périlleux de se battre dans le noir. On pourrait allumer la lumière quand même. Maintenant! C'est prêt! Allez! Il est dur celui-là. Merde, j'ai loupé le combo encore. Où est-ce qu'il est? Attends, on va utiliser des potions sur Prompto. Ah oui, non, je peux pas. S'ils sont transformés en crapaud. J'arrive pas à le toucher. C'est pas possible. Potion sur Inis. Tac. C'est pas vrai. La tour a été transformée en grenouille. Quoi? Bah, est-ce que je peux me rebarrer? Pas trop loin. Ah mais j'ai plus de sort. Ah merde. Oh oui, costaud quand même hein. Pourtant je suis 48, lui il est 49. Putain mais pourquoi je le déclenche pourtant le combo. Ah merde. Zut. Zut. Ça je peux pas. Ensuite il s'est rebarré. Que de phoenix. Allez, on va sur Ignis. Allez, viens, suis-moi. Oh, j'ai un follow. Alors, attends, je suis concentré. Voilà, Ignis qui revient. Ah, merde. Mais putain.
C'est le Groomf qui me follow. Merci ma poule. Tu deviens un dévil. Je pensais pas que ça serait si difficile. C'est bon. Non, je n'ai pas vu Star Wars. Je voulais le voir en France quand j'étais en France, mais du coup j'ai pas eu le temps. Il est bien? Tu l'as vu toi? Mais j'ai très envie de le voir. Je pense qu'il doit être très bien. Putain, ça me coûte cher tout ça. Ah merde. Ça c'est trop chiant ça. Je vais le mettre aussi sur Ignis. Ah oui, je vais pouvoir faire les armes fantômes. Ah merde. Allez, et après, juste après, je fais les armes fantômes et il va arrêter de m'emmerder. Là. Putain, mais il le déclenche pas, hein, son combo. Allez, on le finit, on le finit. Oui, je l'ai vu, il est très bien, il y a beaucoup le côté guerre qui est dans le film, c'est cool. D'accord. Elle est bien l'héroïne, parce que moi c'est surtout l'héroïne que je trouve... que je trouvais pas géniale. T'as donné le meilleur de toi-même. Sauf que là, il me reste... Bon, j'ai gaspillé beaucoup de choses là avec ce boss. Ah, il y a quoi? Il y a que dalle. De rien pour le follow, si tu trouves ce mini-boss costaud, prépare-toi maintenant pour le boss final du donjon. Ah merde. Ah c'est quoi ça? Ah c'est marrant. Il va falloir que je recrée des sorts. Je pense que je les créerai en fonction du justement du boss. Hey, il y a Monsieur Snappy qui est arrivé, salut ma poule. Ah je suis déjà plein de feu. Et je, putain, je suis full partout là, dans toute la magie là. Là, il y a quoi? L'héroïne est pas mal, et a une histoire plutôt pas mal, elle fait un peu penser à Han Solo, mais sinon, en soi, elle est pas mal, d'accord? Ok, moi c'est juste que, déjà je trouvais que sa gueule était pas géniale, mais bon. Mais sinon, il a l'air très bien. Ouais. Heureux, j'ai enfin une co pour regarder des streams. Ah, très bien. Eh ben, salut, monsieur Snappy. Comment ça se passe chez toi? Alors, il y a quoi, là? Ah, c'est là. Ah, non. Ah, merde, c'est eux. Eux, ils sont très chiants en force. Ah, ils sont méga chiants. Putain, ils évitent tous mes coups. Et ils me butent. Allez, petit marquage. Ça se passe très bien chez moi, je passe les fêtes en famille. Ben moi, je suis à Singapour, j'ai passé les fêtes avec ma copine. Mais juste avant, j'ai passé 2 semaines en France. Histoire d'avoir un repas avec mon frère et sa famille. Qu'est-ce qui se passe là? Tiens, un petit para dans ta gueule. Tiens, oula, putain, je les ai défoncés. Tiens.
Et il en reste encore. Et il en reste encore. Mort. Donc là, il y a un truc. Mais c'est pas ça. C'est où? Attends, je suis arrivé d'où, moi? Je suis arrivé de là. Donc, je continue par là. Sérieux? Faut vraiment. Putain, et on descend encore. T'as qu'à pas regarder en bas. Pas de boss, là? Attends, mais je reviens, là. Merde, là, je reviens en arrière. Zut! C'est où la sortie? C'est où la putain de sortie? Je reviens là. Putain, j'ai loupé un épisode là. Ah, attends, il y a une échelle là. Que je n'avais point vue. Très bien. Ouais, moi aussi, je commence à fatiguer là. Là, je peux passer a priori. Fais gaffe à pas tomber, d'accord? Tac, tac, tac. Et donc là, je vais où là? Attends, je suis perdu là. Ah, faut que je passe là-dessus. Oh, ça glisse. Oh, ça glisse, eh, dis donc, eh. C'est à l'heure. Ah, on est tout cracra, hein. On va pas se sentir très bon après ça. Ouh, y'a des clés là. Arrêtez, parlez pas de malheur. Vous pouvez vous taire. J'ai besoin de me concentrer. Ah, ça va être pour ouvrir toutes les portes, je pense. C'est bon, on est passé. Il va y avoir des bestioles là. Oui, c'était sûr. Des gobelins. Attends, c'est quoi déjà? Ah non, c'est pas les mêmes ceux-là. Ereshkigal. Niveau 39. Zut, il m'a touché. Combo de parade. Ouh, ça fait mal. Tu veux me tuer ou quoi? Qu'est-ce que je fais? Prompto est mort. J'ai loupé la combo. Mais oui, c'est lui, l'homme à la voix de Dieu. Salut, I am crazy moi. Et j'ai une voix de Dieu, c'est gentil. Tac. Oula, garde, bim, parade, tac. Putain, ils sont costauds pour des niveaux 39. Ils sont super résistants. Zut, j'ai loupé la parade. Tiens, c'est vulnérable. Oh putain, tiens. Qui sont les autres? Je vais te louper.
Arrête de bouger. Allez, toi, on t'enchaîne. Zut. Ah, il est toujours vivant. Putain, il est toujours vivant. Je comprends rien au jeu. Ah bon? Comment ça, tu comprends rien au jeu? Bah, c'est des combats, quoi. C'est un peu comme quand tu joues à Batman, au final. C'est presque pareil. Mort? Ok, mort. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Prompt ton mort, c'est mieux. Oui, j'avoue. Je suis tout à fait d'accord. Ok, alors là, il y a... Pourquoi il y a 4 clés, là? Ah, il faut 4 clés? Je sais pas. Je comprends rien aussi, mais je comprends pas les combats. Ah, pour les combats, faut les vivre. Faut vraiment les vivre pour bien comprendre. Et au final, c'est pas très compliqué. En fait, c'est parce que je joue peut-être en mode stratégique, ça vous perturbe. C'est-à-dire que des fois, ça se met en pause. Et en fait... Et j'aime bien, tu peux jouer en mode stratégique ou pas. C'est-à-dire, le mode stratégique, c'est que de temps en temps, ça se met en pause. Et ça te permet d'analyser les adversaires et de savoir qu'est-ce qui est, en quoi ils sont vulnérables. Tu vois, par exemple, là, quand je bouge, je n'ai pas le mode stratégique. Par contre, quand je m'arrête, j'ai le mode stratégique, tu vois. Donc là, le jeu est en pause. Tu dois trouver 4 interrupteurs dans tout le donjon. Ah, d'accord. Tu vois, là, le jeu est en pause, et là, ça me permet d'analyser mon adversaire. Voilà, bon, ça prend plus ou moins de temps en fonction de la puissance de l'adversaire. Et ça va me dire, voilà, qu'est-ce qui est bon contre lui. Et là, par exemple, tu vois, quand c'est en violet, les icônes violettes, ça veut dire que ça inflige très peu de dégâts contre lui. Et en orange, c'est qu'il est super vulnérable contre ça, sauf que... Je n'ai toujours pas compris, par contre, l'icône d'étoile. Tu vois, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est les arsenaux fantômes? Du coup, je vais activer les arsenaux fantômes, les arsenaux fantômes, hein, quelque part. Mais j'ai l'impression que non, en fait. Et là, je bourrine. Je bourrine les dégâts. Je bourrine. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Parade. Ah, franchement, le jeu est très bien. Hein. Franchement, le jeu est excellent. Et il est très très long. Hein. Pour l'instant, je suis à 33 heures de jeu. Un truc de genre, je crois. 34 heures. Et j'en suis encore très très loin. Hein. Ok, il va crever. Voilà. Essence de glace. Il a cru qu'on était cuit. Rester en vie, ça me va parfaitement. Étoile égale lumière. C'est quoi? C'est de la magie? C'est des sorts de magie? Quand je combine les trois magies entre elles, c'est ce sort-là, là? Je sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs. Attends, on arrive d'où, nous? On arrive de par là ou on est arrivé de là-bas? Putain, je sais plus d'où j'arrive. Merde. Ah, je crois qu'il faut que j'aille par là, en fait. Je crois qu'il faut que je remonte. Oh, les belles petites faces. Toujours le petit dévi à droite. Eh oui, toujours ma poule, toujours. J'aurais pu faire un costume pour Final Fantasy. Tiens, un interrupteur. Je me demande à quoi il sert. Peut-être qu'il ouvre une porte. D'accord, donc là j'en ai trouvé un, donc ça veut dire qu'il faut que j'en trouve 4. Ah, et ça ouvre d'autres portes comme celle-là. A priori. On devrait toucher au but là. Vous croyez pas? J'espère bien. Quelle journée d'enfer.
C'est marrant ça. Et sur tous les lives qu'on trouve, il y a que toi qui as ça. Eh ben oui, ma poule. Je suis unique en mon genre. Oh, c'est, je sais pas. Je pense que c'est un peu plus sympa. Ah merde, je dis pas que c'est mieux, c'est juste que ça change un peu. Ah merde, je suis tombé direct, j'ai... Du coup les adversaires, je les ai loupés. Et je peux pas remonter là. D'accord, bon ben, tant pis. Putain, c'est le labyrinthe ce truc. Là, je peux pas passer. Maintenant, honnêtement, je préfère ça qu'une cam. Oh, bah c'est sympa. Bah c'est différent aussi. Ça change un peu. Ah, ok. Là, j'ai un objet. Une super potion. Ok. Ah, et là, du coup, c'est un autre endroit. Ah oui, ça m'amène là. Sauf que là-bas, il y avait un autre objet. C'est plus original. Oui, tu en trouves trois autres et tu pourras retourner devant la petite porte verte. Ils sont bien cachés. D'accord. D'accord. Donc là, je suis là. Faudrait que j'arrive à trouver. Donc là, je suis revenu, là. Je suis revenu au début. C'est mieux. Ah oh, bah, bah si vous préférez, tant mieux. Hein. Oui, je suis revenu au début là. Alors attends, au début il y avait un autre passage. Je vais peut-être aller voir. 87 viewers. Oui, mais je sais, mais maintenant j'ai beaucoup de viewers. Je sais pas si c'est... Après ça monte au fur et à mesure, donc je sais pas si c'est des vrais gens ou pas, mais j'ai ça depuis quelques temps, depuis quelques semaines. C'est monté progressivement et maintenant je monte à plus de 100. Sauf que j'arrive pas à voir les noms. Donc, je sais pas si c'est un bug de Twitch ou pas, ou bien si c'est des vrais gens qui viennent me voir mais qui sont pas connectés, je sais pas. Après c'est vrai que moi j'ai mis un réglage sur Twitch qui du coup oblige qui oblige les gens à être connectés, à avoir un compte authentifié. Pour pouvoir discuter dans le chat, ça permet d'éviter les connards. Attends, franchement, je piche pas là. J'ai la bonne arme et j'inflige des dégâts violets, donc c'est ça que je piche pas. Pourtant, j'ai la bonne arme. Zut. Ouais, non, c'est bon. C'est vraiment pas très clair. Soit un bug, soit des bots. Bah je sais pas. Franchement... j'ai rien fait de spécial. Mais en tout cas tant mieux hein. Ah merde. Ah zut. J'utilise un élixir pour rien, putain! Alors, du coup, voyons voir ici. Est-ce que je peux accéder là? Y'a quoi là? Non, là, je peux toujours pas ouvrir. Y'a un truc là-bas. Y'a peut-être un moyen d'y aller. Là, je peux pas aller. Donc là, je suis toujours coincé. C'est parce qu'ils sont résistants à la foudre, il me semble. Ah, épée d'éclair, c'est pour ça. Ah, t'as peut-être raison. Ah, je vais garder ça de toute façon. Là, c'est pour sortir. Là, je peux y aller.
Ah, ça, j'avais pas pris. Élixir. Ah, attends, il y en a ça. Un autre interrupteur. Il demande qu'à être utilisé, non? À quoi il sert, celui-là? Donc ça, ça a dû ouvrir des trucs. Celle-là aussi. Non, ça n'a rien ouvert. Alors attends, je retourne là-bas. Là, ici, là. Ici, y a rien. C'est super, impossible de revenir. C'est bloqué, là il n'y a pas d'échelle. Putain, c'est le labyrinthe ce truc. Ah, je suis pas allé à gauche là. Zut. Ah, tu... ah putain, tu crois que je t'ai pas vu toi? Ah merde, putain, je le fais le skive là. Je reviens dans 5 minutes, je vais me chercher un truc à bouffer, ça marche. Là. Zut, ah putain, ils sont plus rapides, c'est ça qui est chiant. Enfin, je vais changer d'arme. Même si ça met moins de dégâts, au moins je serai plus rapide. Parade, 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 je la fais là. Voilà, au moins avec ça, je suis plus rapide. Bon, je ne suis que de passage. Désolé, mais je vais chez des amis devant. Donc, je vais me coucher. D'accord. Eh ben, bonne fin de stream. Ben, merci, monsieur Snappy. Et à la prochaine. Les bisous. Et si on se revoit pas d'ici là, bonne année. Tiens, on n'est pas passé en bas tout à l'heure. Ah si, t'as raison. D'accord. Oh, ennemi, ennemi! Putain, je me casse! Tac de dos, tiens, c'est bien fait! Et prompto, comme d'habitude! Des bisous, ma poule, et bonne année, en effet! Les bisous! Ah zut, coupez la garde. Putain, on le défonce de dos là. Ok, donc là il y a un objet. Alors je suis où là? Attends, si je vais là-bas, hein, si je vais là-bas. Bonjour toi. Putain, mais je fais cette putain d'esquive de... esquive de merde. T'en as combien, tout ça? Assez parlé. On passe à l'action. Par ici! Zut! Ah merde, j'ai encore gaspillé une potion. Donc là, je tombe. Là, je tombe. Attends, je vais y aller voir. Ah merde, il y avait une... Merde, j'aurais pu tester la porte avant. J'ai vu qu'il y avait une porte. Ah putain de labyrinthe. Attends, mais je reviens où j'étais là. Non? Ah merde, tu reviens où j'étais?
Il y a une porte. Ce serait pas la porte verrouillée de tout à l'heure ? Si, en effet. Ah, d'accord. C'est celle qui ramène vers l'entrée. D'accord, d'accord. Celle-là aussi, du coup ? Tiens, elle s'ouvre. Pourtant, elle était fermée avant. Évidemment. Je suis trop con. C'est simplement d'être du bon côté du verrou. Ça me permet d'accéder ici. Ok, là du coup, là ça me permet de descendre ça. Impeccable. Ensuite. Ok, je commence à m'y retrouver. Donc là, il y a quoi là ? Il y a des ennemis. Ok, vous m'avez énervé. Voilà, vous m'avez cassé les couilles. Pour la peine. Putain. Alors là, il n'y a que dalle. J'ai mis un petit moment avant de le finir, environ 30-40 minutes. Ouais, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Donc là, on ressort. Et je veux juste aller dans le central, là. On peut pas remonter. Bon, bah, on n'a plus qu'à continuer. Reste à savoir quelle direction est la bonne. Si ça se trouve, aucune d'entre elles. Ah ah ! Tiens. Les phares améliorés. Sans aucun doute. Très bien, ça c'est trouvé. Et du coup, ça. Allons voir Cindy. Super. J'espère que vaincre le démon du cœur de la base. Si on a une meilleure technologie, on devrait la partager. On pourrait pas ramener des trucs d'un seul. Interrupteur. Ce serait difficile. À mon avis, celui-là est important. Je vais l'essayer, Note. Allez. Je pourrais cliquer. Oh putain, je pourrais cliquer. Putain. Là. Celui-là, il n'est pas cliquable. Non. Donc là, j'en ai utilisé... Je crois que j'en ai activé 3, là. Il ne me reste plus qu'un à trouver, je crois. Une échelle. Pas de monstre là. Putain, c'est de plus en plus labyrinthique. T'avais un souvenir du chemin, Note. Ça va, je sais. Mais bon, vous pourriez essayer de le retenir, vous aussi. Je suis désolé, mais c'est pas mon fort, ce genre de truc. Eh, je peux pas tout faire non plus. Hein. Y'en a pas un. Wow. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très impressionnant. Amulette de Mog. Oh les phares, je suis passé devant sans les prendre. Ah merde. Ok, donc là c'est tout vu. Faudrait que je monte là-haut. Là. Allez, viens, suis-moi. Oh, encore un petit follow. C'est trop mignon. Donc là, il y a quoi ? Ah, encore un autre passage. Et Rémi. Eh, salut, Rémi. Merci de me follow, ma poule. Oh, des ennemis.
que l'embarras du choix. Note, t'es sûr qu'on n'est pas perdu là? Ça devrait aller, enfin je crois. D'accord. Merde, j'ai pas la bonne arme. Complètement rassuré. Si, j'ai la bonne arme pourtant. Contre les gelées, c'est bien ça. Merde, je vois rien, je peux pas savoir s'il m'attaque ou pas. Ah zut! Ah pourquoi est-ce qu'ils... Ah ils se font défoncer par ça! On t'a niqué, voilà, c'est bon. C'était chaud, trop chaud. Je ferai pas ça tous les jours. Attends, putain, il y a vraiment des passages partout. Donc là, je viens de là. Alors, je peux descendre là. Là, il y a une pièce là. Putain, toi, on va te niquer! Laissez-moi faire la pêche aujourd'hui! Voilà. Très bien. Donc là, on tombe. Interrupteur. Ah merde, j'ai oublié un interrupteur. Merde, il était au-dessus. Merde, je l'ai pas vu. Zut. Enfin, je peux peut-être remonter là. Non, là je remonte pas. Je vais continuer par là. Parce que là j'ai l'impression que je me rapproche du boss là. Ah non, j'ai déjà fait ici. Merde, je suis revenu vraiment très loin là. Là où tu as battu les gelées. Ah oui, oui, exact. Putain, j'ai même pas fait gaffe. Oui, ça y est, je le vois. Je le vois. Ah, il faut que je remonte. Putain, c'est vraiment le labyrinthe, ce truc, hein. Là, pour l'instant, ça fait au moins une demi-heure là que je suis dedans, là. Voire 45 minutes. Ok. Donc ensuite c'est là. Allez.
Je peux sauvegarder ici? Non, je peux même pas sauvegarder. Ah merde, du coup il me manque cet interrupteur. J'aurais pu rentrer là. Dommage. Dommage, dommage. Hero Score Pad. Donc là, faut que je passe par là. Petit tips, avant de faire le boss équipe knock de l'amulette de Mog que tu as trouvé, ça te donne un bonus d'expérience. Ah, d'accord. Celui-là, il est fait. Alors, faut que je retourne là-bas. Et c'était par où? Il y a une porte. Que je n'avais pas ouvert encore. Non, encore des bobies. C'est marrant parce qu'ils font une petite danse, à chaque fois ils font une espèce de gigue bizarre. Je vous ai défoncé. Ah merde. Zut! Sont les autres là? Putain, mais vous êtes où? Ils sont là, ils sont même pas dans le combat. Allez, toi, on va te terminer là. Oula, qu'est-ce que c'est? Là, mort. Alors du coup ici... Ah ben voilà, il y a ça. Bouclier de héros. Là, il n'y a que dalle. Escalier très intéressant. Que dalle. Lance de vouivre. Ah merde! Ah merde, il m'a fait descendre, je voulais pas. Ah, salaud. Alors du coup, je reviens par là. Là, ensuite, c'était par là-bas. Attends, là, j'ai pas tout vu, là. J'ai pas vu ça. Et non, là, je retombe dans le méga trou, là. Ah non, d'accord, j'arrive de là. Attends, comment j'ai fait? Ah, j'étais parti à gauche. Ah, ok, ça y est, je vois, je me repère. Ça y est, ah oui, ça y est, je vois. Donc là, j'ai tout vu, là. Il faut que je retourne ici. Cet interrupteur, il est bon. Ok, là, il me refait tomber. Ensuite, là, il faut pas descendre. Je suis pas allé voir là-bas, mais je vais aller faire l'interrupteur d'abord.
qu'il est là. Voilà, ils sont tous faits. Attendez. Vous avez entendu ce bruit à l'instant? Ça ressemblait à un bruit de porte qui s'ouvre. Là, je reviens. Donc là, après, c'est pour retomber, donc non. Bon, je vais me coucher, alors bonne continuation. Ciao tout le monde. Ben, les bisous, Scorpad, et à toi aussi, si on se revoit pas. D'ici là, bonne année, ma poule. C'est bien plus grand que je l'imaginais. Je dois reconnaître que je commence à fatiguer. Donc là, j'ai pas vu... Complètement crevé. Là, y'a rien. Zut. Ah zut. Le meilleur souhait. Bisous Scorpad. Ah zut, il m'a eu. Dis Elixir. Tu dépasses les bornes. Désolé. Désolé. Ah putain, ils m'ont pris là. Mort ? Ok. Donc là, il y a quoi là ? J'ai pas vu là. L'important, c'est qu'on soit vivant. Petite passerelle. Petit passage. Ok, là, je reviens. Bon, ben, a priori, j'ai tout vu. Ah, ok, il y a rien. J'ai tout vu. Ah, je sais pas comment accéder là-haut. Comment accéder là-haut? Tac, tac, tac. Peut-être en passant par là. Nine. Là, c'est pour redescendre. Ok. Attends, je voulais aller voir une zone. Zut. Ici, là. Il y a quoi, là? Ah bah là, je reviens justement au boss. Ok, bon bah on va se faire le boss. Donc tu voulais que je me mette le truc de Mog. Ah, attends, compétences. J'ai combien de PC? 147. Bah, je voulais faire... Ça, je vais le prendre à la rigueur. Voilà. Et donc, équipement, tac. Putain, j'en ai plein. Décoré d'un dessin, elle augmente l'expérience gagnée dans diverses situations. D'accord.
bouclier Magitech. Ok. Gladiolus. Okay, donc tout ça non. Inis. Ah, il a un nouvel emplacement lui. Même en étant éloigné. Bracelet d'amitié. Tellurique. Ah, c'est pas mal ça, Larry. Ah merde, j'avais un truc bien là. Que je suis passé à côté. C'est celui-là, bracelet de saphir. Ok. Ensuite, prompto. Ah bah c'est bien ça. Non, je peux pas. Mythe d'argent, ok. Ok. Donc là, je suis pas mal. Mètres. Ok. Là, faut que je remonte, je crois. Ensuite, je passe par là. Ah, faut encore que je repasse sur le tube, putain! Casse-couille! Non. Là. Qu'est-ce que c'est ce tube de merde? Plus je suis sûr qu'on peut tomber. Là. Oh, super. Voilà. Oh. Le boss. J'espère que je vais pouvoir faire mon invocation à l'arrière. Ouah la vache, un dragon japonais. Alors, quel est... Ah merde, je peux pas savoir son point faible. Niveau 50. Attends, déjà, je vais faire un méga élixir histoire que tout le monde soit full vie. Ok, là, je ne peux plus. Oula, il s'est énervé, je crois. Cette fois, la peur va changer de camp.
attaque de dos. J'ai fait une attaque de dos, moi. Donc je ne sais pas. Donc je vais faire des sorts. À la rigueur, je... comme il fait des sorts de feu, je pense qu'il doit être faible contre la glace, peut-être. Donc on va essayer ça. Salut Dragould. Je suis nouveau sur la chaîne. La forme, bah la forme et toi. Alors Mog en plus. Affaiblissement niveau 22. Soin niveau 99. Cinq fois de suite. Vas-y, je vais faire un stimulant Magitech. Ça marche toujours bien, ça, le stimulant Magitech. Équipé. Tac. Alors, on va essayer ça tout de suite. Ah, il prend des dégâts, ouais. Et je vais peut-être me mettre un flingue, en fait. Histoire de l'attaquer à distance. Rébellion. Parce que les PV de sont bas, d'accord. Voilà, comme ça, je peux l'attaquer à distance. Bon, ça fait pas des dégâts de ouf, mais... Putain, il me faudrait une mitrailleuse. Cette fois, la peur va changer. Ouais, ça fait des dégâts de merde. Wouhouhouhou. Ça chauffe. Ah, attends, ça, je suis parti pour une nuit café club et code tous en regardant ton live. Ah bah c'est sympa. Ouais, je vais peut-être faire... je sais pas non plus faire 15 000 heures. Hein. Je pense que je vais arrêter dans une heure. Parce que moi il sera midi dans une heure. Parce que je suis à Singapour. Donc, je pense que je vais arrêter vers midi, je pense. Peut-être. Merde, ça le touche pas? Ça l'a pas touché. Attends, mais ils sont où, Inis et Gladiolus, là? C'est quoi cette blague? Un petit pistolet. D'accord, bah il dort. Bah écoute... Tant qu'il dort, moi je régène mes PV, il bouge pas, tout va bien. Ce combat incroyable, c'est incroyable. Je crois que je suis en train de... Ça marche, là il est 3h45 en France. Ok, je crois que je suis en train de faire un bug exploit là. Par contre, ça va mettre 15 ans. Hein. Ça va mettre 15 années. Attends, mais il prend que dalle en dégâts de glace. Ah si, ça y est. Vas-y, pronto. Cette fois, la peur va changer de camp. Non mais il bouge pas, il bouge pas du tout. Cette fois, la peur va changer de camp. Pronto. Cette fois, la peur va changer de camp. Putain, on fait que dalle en dégâts. Hein. Attends, voyons voir si je fais ça. Putain, mais il bouge pas du tout, hein. Il est coincé. Je crois qu'il est coincé. Je suis typiquement dans un bug exploit de merde. Ah merde, j'ai loupé le combo. Bon bah c'est parti hein. Vas-y, on enchaîne. Est-ce que je fais pas plus de dégâts avec ça? Ah si, avec ça j'en fais plus. Bon bah ça aurait été un plaisir hein, Jormungandr.
Il est complètement amorphe. Cette fois, la peur va changer de camp. Attaque de dos. Ce boss. Le Goomf, le Groomf qui m'avait dit qu'il était vachement dur. Ah, vas-y. Le gros bug, je pense qu'il était bugué là. Et du coup, j'ai 30 000 d'XP, tout va bien. En tout cas, il est très joli, hein, magnifique design. Bon, je suis très content. Monter à bord du bateau, non, je veux aller voir la petite Cindy Lopez. Là. Retourner à l'entrée. Attends, j'ai tout vu, hein. Et Innis et Gladiolus, cette bande de connards, là, qui sont même pas là. Allez, retournez à l'entrée. Bon, bah nickel. Très intéressant, ce boss. Là. Du coup, je vais faire retourner voiture. Là. Et... alors, c'est la nuit, c'est pas grave. Vas-y, on va se TP, histoire de pas tomber sur un démon, parce qu'on a pas que ça à foutre. Et je vais me lancer un petit café, donc je reviens dans 2 minutes.